Salut la team XS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler les squats. On va partir comme d'habitude sur 10 séries de 10 avec une minute de repos entre chaque série. Je pense que ça va beaucoup plaire aux filles, mais même les garçons, il ne faut pas négliger les squats. Les appuis, c'est important. Allez, c'est parti la team. C'est parti pour la première série. Position des pieds, largeur des épaules. Mettez les mains sur les épaules, devant ou bien en l'air pour votre équilibre, comme vous voulez. C'est parti. 1, on descend bien. Le plus bas possible. En emmenant le fessier vers l'arrière. Et en gardant le dos le plus droit possible. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. On travaille les cuisses aujourd'hui. Respirez bien. Pense à la petite serviette, la petite bouteille d'eau. La minute de repos pour récupérer. On respire. Pensez à mettre de la musique si ça vous ambiance, si ça vous motive, si ça vous booste. Allez, encore 30 secondes. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir la position. Largeur des épaules, les mains comme ceci, dos bien droit, je vais mettre les mains là-bas, dos bien droit et on descend les fesses, le plus bas possible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La minute de repos. On respire bien. Ça commence à tirer un peu, on secoue les jambes. On a fait deux, on est parti pour 10 séries comme ça. Ceux pour qui c'est difficile, vous commencez à 5, ou bien peut-être à 8. Faites 5 séries de 10 ou bien 8 séries de 10. Ce qui est important, c'est de finir l'entraînement. C'est-à-dire de faire absolument les 10 séries. Donc ceux qui ne peuvent pas faire 10, vous faites un peu moins. Ceux qui peuvent faire plus, qui ont déjà l'habitude de faire plus de 10. Vous pouvez faire plus si ce n'est pas un souci. On se prépare. Position. C'est parti. 1. 2. 3. On pense à ramener le bassin aussi. Quand on se redresse. 4. 5. Je vous montre. 6. 7, 8, 9 et 10. On souffle, la minute de repos. On en a fait 3. On relâche un peu les jambes. Marcher. Ça vous soulage, marchez un peu, soufflez bien, buvez un peu d'eau. Encore 30 secondes et on attaque la quatrième.
15 secondes. On se prépare, on se met en position. Aidez-vous des bras pour l'équilibre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. La minute de repos. Petit conseil également. Ce qui peut vous aider à garder le dos bien droit, c'est de fixer un point en face de vous, légèrement en hauteur. Et quand vous descendez, vous le gardez en vue. Vous ne lâchez pas les yeux. Ça va vous aider du coup à ne pas creuser le dos et à garder un bon positionnement pendant que vous faites l'exercice. On respire 30 secondes. Prenez la position des jambes, largeur des épaules. Prenez pas trop large, prenez pas trop serré pour avoir un bon équilibre, une bonne balance. Et effectuer du coup des squats efficaces. On va attaquer la cinquième. Encore 5 secondes. On se met en position. C'est parti. 5, 6, on respire bien. 7, 8. 9 et 10. On souffle, on relâche les jambes, on boit un peu d'eau, on marche. On a fait 5, on est à la moitié là. Alternative pour ceux qui sont à l'aise avec les 10 squats, ce que vous pouvez faire, c'est des squats sautés. Si vous sentez à l'aise, on se précipite pas, on attend. Ceux qui sont pas familiers avec les squats, pas santé, au fur et à mesure, vous prenez le temps de déjà bien faire le mouvement dans un premier temps, de réussir à faire les 10. Série de 10 et ensuite vous passerez au squat sauté. En position. C'est parti pour la sixième. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Sixième terminé, il en reste 4. On tient le coup, on tient le coup. On souffle bien. On respire, on marche pour dégourdir les jambes. Ça commence à tirer là derrière. On a fait plus dur, il reste 30 secondes. Pense au résultat.
Résultat de cet été, pensez au soleil, aux sorties, la plage, 10 secondes. En position, c'est parti pour la septième. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La minute de repos. On force pas. Le but, c'est de surtout pas se blesser. Ceux qui ressentent des douleurs dans le dos, ça doit être dû à un mauvais positionnement. On force pas. On s'arrête là. Et on réessayera la prochaine fois. C'est vraiment important de travailler sur le positionnement. De ne pas creuser le dos quand on se baisse. De garder le dos le plus droit possible. Et de sortir le fessier pour que ça travaille bien. Si vous avez des douleurs dans le dos, c'est que c'est pas bon. Il y a un problème au niveau du positionnement. On est parti pour la huitième. Souffle. Pense à boire de l'eau aussi, c'est important. Buvez un peu d'eau. Moi perso, je suis pas fan, je préfère attendre la fin de mon entraînement pour pas avoir de points de côté. Mais pense à boire pour ceux qui préfèrent s'hydrater pendant l'exercice. Allez, on arrive sur la fin, on a fait le plus dur. Plus que deux. Encore 20 secondes. Tu prépares. En position, c'est parti. 5, 6. 7, 8, 9 et 10. Plus que une, la dernière. Allez, on tient le coup. On lâche pas, il n'en reste plus qu'une. Allez. C'est bien. Ça relâche les jambes.
N'hésitez pas, pour ceux qui ont un peu plus de mal, à prolonger le temps de récup entre les séries. Si vous avez besoin de plus d'une minute, prenez plus d'une minute. Il n'y a vraiment pas de souci. Ou bien à descendre le nombre de répétitions. Faisant plutôt 5 au début pour commencer sur 10 séries. Et quand vous serez à l'aise, vous passerez à 8 ou à 10. Chacun son rythme. On se prépare pour la dernière. C'est parti. Une. Deux. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Bravo. 10 séries de 10. Bravo, félicitations. Vous répétez cet exercice à votre rythme autant de fois que vous le souhaitez. Si vous voulez vous en faire plus, si vous êtes à l'aise, vous en faites plus. Vous montez à 20 séries de 10, 30 séries de 10, autant que vous le souhaitez. Chacun à son rythme. Vous montez au fur et à mesure. Vous fixez des paliers. On essaye d'atteindre encore plus à la fois suivante, la semaine qui suit, le mois qui suit. Comme ça, on sait où on en est, ce qu'on peut réaliser. En tout cas, je suis fier de vous. Vous avez fait du beau boulot. Allez, à la prochaine. La team, j'ai oublié de vous dire, un peu, c'est toujours mieux que rien.